Salut YouTube, comment ça va? Ça fait 3 jours que j'ai pas streamé du Isaac, ça fait plaisir. On va se faire un petit challenge. Eyebrow. Ah zut, alors. Ok. Je devrais me mettre au daily rapidement. C'est vrai que c'est une erreur de... On aurait dû faire des daily challenges, même si c'est chiant comme la mort, à chaque session. Ne serait-ce que pour avoir le fait d'en avoir fait 30, par exemple. J'ai 6 bombes, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, je commence avec les bombes du caca. D'ailleurs, pour l'instant, on va laisser ce cœur bleu là. Et le flush qui transforme tout en poupe, hein, si je dis pas de conneries. Ok, ok, ça c'est plutôt bon plan. On va commencer à setup notre devil. On commence donc avec le pipi au lieu des larmes. Un débit de larmes délirant, mais très peu de portée. He's ok. Ouais, on peut suicider dès la première salle, oui, mais bon. Si on stream les daily challenges, autant les faire. Quel est le concept de ce jeu? Ah! Le concept de ce jeu, c'est de réussir à, comme beaucoup de roguelike, à se faire un armement assez puissant. Ah! Pour parvenir à la fin du donjon, constitué de moult étages et sous-étages et de moult boss cachés. Sachant que la quasi-intégralité des salles est générée de manière aléatoire. Oh, Ball of Bandage. Ça me rappelle d'ailleurs que dans les trucs chiants que j'ai à avoir, il faudrait que je fasse une Bandage Girl niveau 4, figurez-vous. Très facile de faire Meat Boy niveau 4 avec l'économe. Mais faire une Bandage Girl niveau 4, c'est beaucoup plus chiant. Ça serait peut-être plus simple avec Lilith, d'ailleurs. Sûrement, même. Oui, c'est avec Lilith qu'on peut faire ça gratuitement. Si on a une Bandage Girl avec Lilith, ensuite, on se fait un stock de batterie sur un étage. Et en théorie, sauf si c'était patché, on a la Bandage Girl niveau 4. Merci pour tous vos subs. Lilith en grid, ouais, voilà, par exemple. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est quoi? Ah, c'est Mom's Foot, l'objectif. Mais quelle est la gratuité de ce... Pourquoi? C'est jamais une salle secrète. C'est quoi, ce délire? Oui, par contre, on n'a pas de salle d'objets, c'est ça? Oui, on n'a pas de salle... Ah oui, j'ai Icoli, c'est vrai. Quand les ennemis me touchent, ils deviennent temporairement des caca également. C'est full caca. Hein. C'est full pipi caca. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup. À moult nouveaux viewers. Nana. Nana. Pleure patata. Ok. Ah, je devrais utiliser. On va utiliser la boule. Hop. La boule magique. La boule de lavage. Par contre, lui, il va péter, non? Non, c'est bon. Ah, par contre, j'ai des magasins. Ça, c'est une bonne info. Très fort, hein. Que ça soit Meat Boy ou la boule de pansement, on est content. Défensivement, offensivement, ça fait gagner beaucoup de temps. Allons-y. C'est pas dingue. Ok. Qu'est-ce que je peux espérer en fait? Autre chose. Je sais pas, genre faire mal. Ou la boussole, tiens, la boussole, ça me va. Vendu, adjugé. Pour savoir où je vais. Alors. Ah oui, bien sûr. Vous connaissez ma maîtrise des diagonales. Qui n'est plus approuvée, bien sûr. Allez, pour vous faire plaisir, je vais même aller prendre ce coin. Et je vais le faire en une fois. Quoi, c'est passé? Ah, le miracle.
Ça, c'est mon expertise des diagonales. Morse vuoto. La chasse d'eau. Ah oui, c'est vrai. J'utilise jamais la chasse d'eau. Oh merde! Putain, moi qui voulais le caler en comme ça en opposition. Bon, par contre, on s'en fout des boules, hein. C'est lui qu'il faut taper. Tiens. Dommage. C'est chiant. Voilà, ça c'était beau. Allez, un trinket en plus. Ok, donc le monkey paw, si jamais je suis sur le point de mourir, ça me balance des petits cœurs. Lord of the Pit, le vol. Bon ouais, c'est beaucoup moins bien que Spirit of the Night, vu qu'on n'a pas les larmes spectrales, mais c'est d'accord. C'est cher, hein. Lord of the Pit, il devrait coûter qu'un. Hein. Spirit of the Night, ça a du sens, mais... Ok. Allez. Vendu. Ah oui. Tiki Gatsan. Moult pognon. Alors c'est quoi déjà, Ico? Voilà. Je tire l'achat, s'il y a de la flotte, oui c'est ça. Et les ennemis sont transformés en caca. Et c'est vrai que sur les ennemis standards, c'est fort. Si je tombe sur une salle horrible en 4x4 avec les René Lato, par exemple, ça fait gagner un temps assez infini. The Sun, très très bon. Mapping et effet de mort et full heal, cœur rouge. Et de toute façon, je sais où je dois aller. Hein. Donc je sais pas pourquoi je suis parti par là. On va aller vers le boss qui vraisemblablement est en bas, à gauche. Ah, les coups de soleil, ouais, j'avoue, hein. La dernière fois, hein, c'est, parce que là, j'ai passé le reste de mon séjour à me foutre de la crème à l'aloe vera et de la crème solaire. C'était pas dingue. Ok. Heureusement, ils sont très aloe vera en Afrique du Sud, donc il y avait ce qu'il faut. Il fallait. Number one et IP cac. Ah ouais, ça doit être sympa. Bon, lui, du coup, devient inoffensif vu qu'on vole. Petit Magic Mushroom, ça aurait été sympathique. Petit Gigatseb. Grid, Super Grid, n'apparaît plus dans les magasins. Ah oui, j'ai oublié cet objet. Lol. Ok. Non, j'aurais dû le mettre près des Mushrooms, on ne sait jamais. Okay. Bah, il n'apparaîtra pas. Boîte de Pandore, item martyr, boîte de Pandore, ici on est wow. Catacombe 1, un boss item. Vas-y. Ok, très bon ça. Binky, un soul heart et un tears up. Plus, comment dire, hitbox diminué. Je suis petit, mignon. Et je garde mon Icoli nul. Enfin non, mon flush. C'est beau. Tout pour pourrir un séjour dès les premiers jours. Ah mais ça c'est mon talent. Ça. Talent, ça s'explique pas. Hein. Ça se vit, hein, vous savez. Ah, c'était ma dernière clé. Est-ce que c'était vraiment raisonnable de faire ça? Probablement pas. Bonjour. Une clé. Merci. Ah. Ah bah oui. Double portée, on veut bien. Ziolo donc. Hop là, un coup de boule magique. Bravo. Recoup de boule magique. Nul. Golden Bomb, je pouvais bourrer tous les champis. Oui, c'est vrai que j'aurais pu, mais... vous savez, moi je suis avant... Là, j'ai envie qu'on avance. Il y avait un mini-boss à côté, j'aurais pu le faire. J'ai vachement envie d'affronter Envy. Vous avez pas envie qu'on affronte Envy? C'est tellement sympa.
Alors eux, on est d'accord que c'est des gros, ça ne fonctionnerait pas de faire si je fais ça. Ah si. Ah non mais flush c'est bien. En plus oui c'est vrai que vu que j'ai le petrified poop, la fête est totale. La fête est à la fois à la saucisse. Ah bah tiens, voilà. Il suffisait d'en parler, non? Superbe. Plus vu que je suis impatient, je vais faire de la merde. Parfait. Jusqu'au bout de l'envie. Qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Voilà, et quelle récompense. Bon bah magasin. Sauf que là je peux avoir grid, hein, vu que j'ai lâché la petite merde. J'ai lâché la petite merde. Oh j'ai 5 bombes là des. Au premier étage j'en ai eu plein de rochers marqués. Ça c'était bon esprit ça. Oui il est passé où le bon esprit? Alors je vous avoue là pendant 10 jours j'ai quasiment pas lu Twitter. Et figurez-vous que c'était pas si mal. Ça m'a rappelé ces tendres années où il n'y avait pas encore de réseaux sociaux et c'était ok en fait. Réflexion faite, c'était ok. Alors. Bah tiens oui, bah là, no brain, salle hyper chiante. Full caca. Et voilà, et que de belles récompenses. Là il y a eu deux cacas superposés. J'ai eu le droit à deux pièces. Ah, quel plaisir. Ah bah oui, le magasin, faut le faire. Pourquoi il n'a pas été fait? Qu'est-ce que... Quoi? Ah oui, parce que j'ai pas assez d'argent. Oh oui. J'ai failli prendre la carte sans le vouloir. Qui pouvait être bien aussi, hein. C'est nul. Donc les coffres seront meilleurs maintenant grâce à Momski. Ah oui, c'est vrai que le caca noir insta-kill l'intégralité des mouches présentes dans la pièce. Il a une utilité quand même ce caca noir. On aurait tendance à l'oublier. Tellement il nous déçoit quand on tombe sur lui. Merci 7 pour les 500 bitcoins. Merci Nono 7x pour le sub tier 2. Merci à tous les gens que j'ai oubliés. Ils sont temps. Les canards font du DPS sur tous les mobs. Ah oui, d'accord. C'est juste que oui, c'est assez obvious quand c'est les mouches vu qu'elles se font one shot. Les ennemis faibles. Faible constitution. The Stain, pas terrible. Ok. D'accord, il veut pas faire son double coup de langue. Quoi? Idiot! Idiot! Le con! Voilà! Oui? Oui? Karim Ziani, oui? Deux secondes. Ah, mais je regarde pas. Je suis dans la merde un peu, non? Merci à tous. Et Karim Ziani, c'est sub tier 3. Putain, mais les alertes sont tellement en retard. Vous êtes temps. Merci. Merci d'être temps. Des cœurs bleus. Ah. Dead Cat. Mais attendez, je suis cave et je suis déjà dans la merde en fait. L'objectif c'est Momsuit. Ouais, mais le problème, on n'a pas de salle d'objets, donc on était un peu dépendant de l'efficacité des Devil Deals. On s'est bien fait baiser, hein, faut bien l'avouer. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Si on commence avec moult bombes, donc les rochers marqués, éventuellement. Bon, allez, j'y vais, je tente. C'est nul. Challenge Room. Oh, petit cricket set quand même. Bravo.
Doubler mon range, c'est bien. Ouais, on va rester là-dessus. Il va y avoir beaucoup moins de caca à arriver ici. Non, c'est chiant. Ok. Non, c'est chiant. Merci. Bon, j'ai fait mes deux caca avec mon truc quand même, mais... On veut des cœurs noirs, pourquoi pas, hein. Oh là là! Oh mon dieu! Au secours! Et alors, il suffisait que je dise ça, il y a des caca partout. Mais à part ça, je suis pas deg. C'est faux. Oh le con! Voilà, voilà. Tout ça pour faire le beau jeu. Pour faire le corps à corps. Je n'ai plus qu'un demi-cœur pour me protéger. Ah bien, bravo, bien joué. Cricket. Oh bien. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai même ski. Les coffres, faut y aller tout le temps, toujours. Chez. Quoique j'aurais pu garder Mr. Boom qui fera un gros DPS sur un boss. Et c'est ok, je gère. Hein. Jamais été aussi confiant. C'est faux. Oh, c'est con que j'ai pas The Flush. J'ai The Sun par contre. Oh non, c'est bon. Oula, j'avais pas vu lui. C'est gérable. Ah oh, oui, on s'emmerde, mais c'est gérable. C'est Laurent gérable. Merci à tous. L'annonce du toll 2, ah ouais, c'est imminent là. Je peux vous annoncer ce soir en exclusivité que Tears of Legends 2 sera un tournoi de Binding of Isaac. Ok. Ah merde. Ok. Bah pourquoi pas. Oh c'est loin, c'est beau mais c'est loin. Hein. Oh, poifné! Dégueulasse, madame! Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir le temps. J'ai beaucoup écouté du Aya Nakamura pendant les vacances. Merde. Ok. 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 C'est nul. Un petit Magic Mushroom, ça serait moins nul. Ok. C'est une connerie, hein, parce que si j'ai bad trip, là... Enfin, non, si j'ai... Enfin, on se comprend, quoi. Health down. Luck down, ok, ok. Hematemesis. Ok, ok, ouais, ouais. Ok, ouais. Trois puberté, ça fait un health up. Bon, je dis, faut jouer l'aventure, là, il y a les cœurs rouges partout, hein. Du-du-dum, pain. Du-du-dum, pain. Oh, 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 c'est badant. C'est badant. Je vais aller chercher ma secret room, ça va être ouf. Merci à tous d'avoir cru en moi. C'est chiant. Moi qui pensais que ça allait être très simple, ça va plutôt être très chiant. Putain, mais je... il y a le Karim Zeni du tier 3 tout le temps et je vois aucun tier 3 dans mes alertes, ça me stresse. Les alertes ont 1000 ans de retard. Merci beaucoup. Regardez, c'est pour vous. C'est nul. Ok. Y avait pas un cœur bleu au magasin? Non.
Alors. Oh mon dieu, ah ouais quand même. Bon, j'ai un The Sun, tout va bien se passer hein. Avec des passes, c'est gratuit hein, c'est gratos. Il fait quoi? Ouais d'accord. Ok, ok. Eh, vous faites quoi là? Ok, de la merde, ouais. Ok. Je vais avoir mon Devil Deal hein, spoiler. Ok, c'est chiant. Pourquoi il tue pas son pote? Ce serait tellement mieux. Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, mais j'avais mon cœur. J'avais mon cœur. Donc rien n'est perdu. Mon cœur éternel de merde. C'est beau, mais c'est long. Enfin, c'est surtout long. Mais c'était trop rapide! C'était trop soudain! J'avais oublié qu'il faisait ça. Qu'il devenait rouge. Oh, 2%, c'est 100%. Eh bien, non. Oh là là, ça va être long. Hein. Allez, c'est le dernier étage. Allez, le beau jeu. Ah, quoi? C'est toujours de la merde, hein. Je le tente, mais... Mais oui, mais devenez tous des cacas. Vite! Oh, j'ai failli crever. J'ai failli crever, y'a pas... Je vais être obligé d'utiliser mon sun. C'est sympa, hein. C'est vraiment une partie sympa. Ah, c'est bien, non mais c'est bien. Ça nous fait un peu... On bosse un peu, quoi. Non mais... Il y a beaucoup de gens qui disent... Qui prétendent jouer aux jeux vidéo pour se détendre. Alors qu'en vrai... Un petit jeu où t'as l'impression d'aller à l'usine. Comme un gachapon de merde. Où tu joues 25 minutes par jour alors que tu sais très bien que c'est de la chiasse. Mais que t'es trop frustré parce que t'as déjà dépensé 100 balles sur le jeu. Et que tu te dis que si t'abandonnes... bah t'as raté ta vie. Alors qu'en fait tu rates ta vie quotidiennement en continuant à y jouer. Ou encore faire cette partie de Binding of Isaac. Ou jouer à un MMO à la con. Avec des gens qu'on supporte plus. Parce que ça fait 5 ans qu'on build son perso. Voilà. Allez c'est ça. Alors. Oh le con du cul. Je suis en maîtrise là. C'est beaucoup de maîtrise. Chiant. Chiant. Non, c'est chiant. Vomis sur ton pote, merci. C'est long. Oh, c'est terriblement long. Oh le con. Oh. Ok. Oh. Merci, merci la boule magique. C'est long. Tu vois pas que c'est long un peu? Oh là là, putain! Et tout ça pour crever comme une merde contre Mom! Aïe aïe aïe! J'ai l'impression que c'est un peu long, mais c'est peut-être que moi, Ah, je suis sûr que la salle secrète et le shop vont tout changer. Ah mais attendez, putain j'ai Eve. J'ai le lipstick, faut que je tente de niquer les coffres, les crânes. Oh ils ont 200 000 points de vie, ça va être tellement chiant. Ah oh, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, n'oublions pas que mes bombes de merde voilà, font du stun et du DPS. Ça va vraiment changer la donne. Ça rend cette salle beaucoup plus courte. Je suis sûr que j'ai droppé des cœurs bleus. Sympa, hein, c'est sympa.
Bon allez, j'ai plus que ça à foutre, hein, en vrai. Worse. Ah, là, c'est la boule magique, hein. Là, la boule magique essentielle. C'est un peu chaud, là. Mais comment on peut être aussi con ? En plus, c'est un ennemi d'élite, alors c'est un cœur direct. Oh, sa mère. Ah, et vous savez quoi ? J'ai pas l'objet qui... Ça se trouve... Oh, si j'ai un autre crit dans le shop, c'est du génie. C'est du génie de la part du jeu, s'il y a un crit dans le shop. Parce que j'ai fait qu'amasser du pognon avec des combats qui durent 55 ans. Ah ouais, ça serait énorme. C'est pas possible ? Bah tant mieux. Ok. Oh putain, je crois que je joue Candle tous les jours là. J'ai besoin de DPS et je vois pas comment je vais en avoir autrement. C'est quoi cette merde, je l'ai jamais eu. Wow. Hurts you without damaging you. Can trigger item effect. C'est de la merde mais je l'ai jamais eu alors je le prends. Ok. Tiens. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'aurais dû chercher la ceinture. Oh, c'est pas grave. En vrai, je pense qu'on vient de sauver le run. Avec la chandelle. DPS. Ah, bon, allez, il faut mieux viser. Mais je vous jure, c'est pas mal. Non, mais je vous jure, dans l'idée, c'est ok la chandelle. Je vous jure, hein. Regardez, regardez. Et voilà. Ah, j'ai plus de bombes. Oh, le con. Oh ! J'ai paniqué. Nice. Le sac de sac. Bombo shop. Ah oui. Non, mais le sac des sacs, c'est la fin, là. Donc, ça me sert à rien. À la limite, j'achète ma bombe. Et voilà. Je fais ça. La blank card en promo. Oh, j'ai The Sun. Inutile. Si, pour me healer deux fois, mais c'est de la merde. On va prendre ça. Ça va le faire. C'est pour vous que je le fais, les amis. Merci, Seth, pour les 500 bitcoins à nouveau. Merci pour tous vos subs. Merci pour tous vos subs, au secours. Oh là là. Incroyable, une fois de plus. Cette run... Oh, connard ! Pardon, excusez-moi. Oh non, il y a un rocher marqué merde ! Merde ! C'est trop con. Pourquoi je fais ça ? Venez là. Mais... Voilà, c'est ce que je voulais. Mais... C'est ce que je voulais. Oh oui, je voulais me faire du pognon. C'est du génie. Comme ça, je peux acheter une bombe. Attendez, il y a eu un respawn de bombe. Je suis un génie. Est-ce que je suis un génie? Tout à fait. Merci. Attendez, alors, le niveau 3. Merde, il y avait l'alerte, mais c'est une alerte qui date d'il y a 1000 ans, parce que je vois aucune alerte niveau 3. Mais je les ai enlevés de mon feed ou quoi? Je comprends plus rien. Merci. Oui. Bon. Bravo.
Easy. Ah, Laurent Gérard. Bah voilà, on en parlait. Donc finalement, tout a du sens. Incroyable. 2 sur 2. Ça va. C'est une soirée qui commence bien. On n'a pas reset les runs. On a été serein. Solide. Des bisous YouTube. Au revoir.